Bon Dieu bénit Évangile Duval. Chers frères et chers amis auditeurs, nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ou même qu'attendez-nous avec attention. Nous comptons pour nous rejoindre ensemble avec vous, ses serviteurs, pasteur Jean-Alphonse Duclerc, qui est là pour présenter l'émission La Parole qui sauve. Émission ça qui passait sous Radio Disciples chaque dimanche de 7h à 8h. Émission que vous êtes capable d'entendre sous Audio Now à partir de numéro ça qui c'est 518-896-1847. Je vais prendre numéro A pour vous. Émission ça, vous êtes capable d'entendre sous Audio Now à travers 518-896-1847. Grâce avec la technologie en tout, vous avez possibilité pour garder l'émission ça à travers YouTube et vous conjoignez sur Facebook tout qui bat au lien pour aller sur YouTube là. Vous avez possibilité encore pour capable tendre l'émission ça à travers application ça qui c'est Zeno sous télécharger li ou aller sous app Discipline. Eh bien, vous êtes capable d'attendre l'émission ça qui fait chaque dimanche de 7h à 8h. Pendant que vous attendez l'émission, hein? Si vous avez une question, dans le moment que nous avons fait là, vous êtes capable de relayer nous dans 917-702-41-29. Dans le moment que nous avons fait l'émission, hein? Vous êtes capable de relayer nous dans 917-702-41-29. Et sous toutefois, vous regardez les sur YouTube là, vous capable quitter des commentaires, des suggestions et des likes ou des j'aime. Donc ça y a fait nous plaisir et nous croyons que bon Dieu lui-même la prend plaisir tout parce que c'est dans l'idée pour travailler la fête plus bien que ou même vous quitter commentaires ça y que ou même vous bailler suggestions ça y est. Nous content pour nous joindre pour nous passer un bon moment ensemble. Dans l'étude parole, bon Dieu, ya, et nous réclamons une bonne disposition du cœur à côté où, pendant ce temps, nous allons conduire dans la prière. Seigneur, nous bénissons, nous exaltons. Nous disons merci, Seigneur, pour le privilège que vous accordez nous. En ce dernier dimanche du mois de novembre, soit le dimanche 29 novembre 2020, nous avons le privilège pour nous capable de parler dans nous. Merci Seigneur parce que tu permets nous traverser une agréable journée. En pile dans nous, tu rends nous dans lieu de culte nous. En pile dans nous Seigneur, alléluia, tu mettons un temps à part pour adorer vous. Merci infiniment. Merci parce que Seigneur, alléluia, dans toute rentrée sortie nous durant journée là, où tu es avec nous, ou pas de quitter rien mal arrivé nous. Et grâce soit rendue avec puissance ou gardez nous de toute danger. Et comme toujours dit, c'est pas faute Satan si on bagaille mal pas arriver non, mais c'est parce qu'on travaille pour ça. Seigneur, nous reconnaître nous ces pécheurs, nous fait dit ça qui pas fort plaisir. Mais toutefois, nous agenouiller devant Seigneur pour nous demander pardon. Pardon pour faute nous, pardon pour péché nous, pardon pour iniquité nous. Pardon pour tout ça nous fait qui pas fort plaisir, pardon pour tout ça nous dit. Pardon pour côté n'aller nous pas doit aller, pardon pour côté nous entrer Seigneur nous pas doit entrer. Pardon Seigneur pour mauvais propos en pile fois qui sortit dans bouche nous. Bagaille Seigneur qui attriste Saint-Esprit. Nous réclamons grâce au Seigneur. On va laver nous complètement. On va nettoyer nous, on va purifier nous. On va retirer tout ça qui pas bon dans nous-mêmes et on va rendre nous Seigneur alléluia dans condition pour nous passer un agréable moment en ta présence Seigneur. Que chaque monde qui attend de nous Seigneur yo jwenn yon bagay que chaque monde k'ap tande nou Seigneur alléluia yo visité par présence et que Seigneur ténèbres yo changé en lumière et que tout problème yo changé en solution dans le nom de Jésus. Seigneur nous compter sur vous, béni nous même k'ap parler dans nom car nous pas ka di rien si c'est pas puissance Saint-Esprit ou qui révéler nous Seigneur quoi bon pour nous dire puisque c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de la parole même. Aidez nous Seigneur pour nous comprendre et pour nous parler dans nom sauve nous dit. Nous va dit pour édification nom chaque monde qui attend de nous. Nous prions Seigneur rester avec nous. Nous pas prions qualité monde qui bon ni monde qui digne, mais nous prions dans nos petits tout Jésus-Christ, lui-même seul qui gagne mérite
qu'à vivre et qu'à prendre au siècle des siècles. Amen. On a observé un coup de pause. Après ça, on a continué avec l'émission. Et je dis à nous allons parler de quelques évidences concernant la résurrection de Jésus-Christ. Quelques évidences concernant la résurrection de Jésus-Christ. On a observé une pause musicale. Donc, instrumental n'a passé pour vous pendant ce temps, n'a rejoint nous tout à l'heure. Content pour nous retourner parler ensemble avec vous. Comme sujet à noter déjà annoncé, qui c'est quelques évidences concernant la résurrection de Jésus-Christ. La dernière fois que nous t'ai parlé ensemble avec vous, c'était dimanche, c'était 15 novembre, côté que nous t'ai parlé avec vous de sujet ça qui c'est évidence concernant la mort de Jésus-Christ. Pour qui ça nous dit évidence concernant la mort de Jésus-Christ? Et nous t'es venu avec des évidences scientifiques pour vous, surtout avec les travaux de recherche de Ronald Eldon Wyatt, de son sobriquet Ron Wyatt, et qui t'a trouvé le sang séché de Jésus-Christ. Et nous voyons que côté que lui t'es allé joindre des laborantins israélites qui ont fait analyse de sang ça, et nous t'es dit qui ça qui t'est révélé à travers sang ça. Nous t'es bonne explication, yon sang séché ou bien yon sang sec. Après un nombre de jours, soit 120 jours, il y a des bagailles ou pas qu'à analyser là-dedans à travers le laboratoire. C'est ou capable de joindre le nombre, ou capable de joindre l'ADN, excusez, mais le nombre de chromosomes, c'est un bagaille ou pas qu'à découvrir à travers sans ça qui séché. Mais nous voyons que Ron Wyatt, ensemble avec M. Yo, puisqu'il t'a demandé pour l'aller faire analyse, yo, nous t'aurons sans ça gain 24 chromosomes et nous t'expliquer 24 chromosomes ça. Et puisque la science dit faut qu'on monde gain 46 chromosomes pour normal, ou pas qu'à gain plus ou pas qu'à gain moins, et bien nous Jésus t'a hérité 23 de maman li. Et c'est ça qui t'a bali morphologie qu'il t'a gain, c'est ça qui t'a bali et caractéristiques humaine que Dieu nous était capable ban nous, mais il était joint youn qui c'était un Y côté que il pas capable identifier source li, l'en pas identifier source, c'est-à-dire il pas de source humaine. Donc c'est ça nous t'ai dit ensemble avec vous dans explication que nous t'ai ba ou dans émission ça, et nous t'ai venu tout avec l'appui de quelques versets bibliques pour nous t'ai parler de quelques événements qui t'ai produit au cours de la mort de Jésus-Christ. Par exemple, tremblement de terre, voile temple en chiré, et gain un feu noir qui t'ai établi sur la terre. Donc dans recherche qui a le fait yo, monsieur découvrit évidemment pendant telle période gain un bagage qui t'ai fait. Mais nous t'ai terminer avec notion ça côté que gain de monde qui t'a laissé bafouer
la résurrection de Jésus-Christ, parce que pour nous parler de résurrection, il faudrait bien que tu aies l'an mort, et c'est ça qui poussait que nous venions là, je dis, pour nous parler ensemble avec vous, côté que nous allons faire lecture ça pour vous, qui concerne la façon que monsieur a essayé de bafouer la résurrection de Jésus-Christ, côté que tu as une forte somme d'argent avec des soldats, et bien, pour soldats ça qui t'a gardé le tombeau de Jésus-Christ pour monsieur te cacher vérité à côté que yoté mettez yo dans condition pour yoté dit ses disciples qui vini prendre corps. Donc je dis à un sujet que nous allons parler, c'est quelques évidences de la résurrection de Jésus-Christ. Nous invitons l'ouvrir Bible avec nous dans Matthieu chapitre 28 côté que n'appli pour vous les 15 premiers versets à la gloire de Dieu. Matthieu chapitre 28, nous allons lire pour vous les 15 premiers verset. Matthieu 28, verset 1 à 20, verset 1 à 15. Nous invitons l'ouvrir Bible pour capable suivre avec nous. Matthieu chapitre 28, verset 1 à 15. M'appelez pour vous dans la Bible, Pamna à la gloire de Dieu. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Verset 15 et dernier verset. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Donc, pour même qui t'a suivi avec nos lectures, ou même qui t'a tendu nous avec attention, ou ouais, comment l'histoire de la résurrection de Jésus-Christ retracée par Matthieu, qui c'est une qui c'était disciple de Jésus-Christ, lui parler de lui. Eh bien, toutefois, nous allons expliquer où, comment ça arrive fait, les nous parler de évidence concernant la résurrection de Jésus-Christ. À vrai dire, et nous voulons faire connaître que émission ça, elle pas faite dans souci pour nous prouver la résurrection de Jésus-Christ. Il n'a pas parlé de prouver la résurrection de Jésus-Christ de façon scientifique, parce que ça, nous pas capable de prouver. Mais plutôt, émission ça, il fait dans l'idée pour mener pour croire. Pour croire, dans le sens que pour placer la foi ou dans Jésus-Christ. Ce n'est pas dans le domaine connaissance que l'émission ça a fait pour vous, mais c'est surtout dans le domaine de foi, parce que c'est la foi qui permet ou capable de sauver. C'est dans l'idée ça. Pas oublier, c'est suivi de l'émission qui fait sous grand thème, ça que n'a pas parlé, qui c'est évangélisation, mais n'a pas traité sujet, je dis, qui c'est quelques évidences concernant la résurrection de Jésus-Christ. Avant tout, c'est quoi la résurrection? Je définis la résurrection dans une définition qui est très courte. Je dis, c'est le fait de revenir à la vie après la mort.
c'est le fait de revenir à la vie après la mort. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples de résurrection. Là, nous parlons dans la Bible, tant dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Au nombre de 9 résurrections dans la Bible, nous sommes capables de jouer au total. Et nous sommes capables de dire 3 dans l'Ancien Testament. 3 dans l'Ancien Testament. Rapidement, nous sommes capables de retracer pour nous montrer que ça, nous ne parler pas. Ce n'est pas un sujet, nous sommes capables de dire qu'il n'y a pas qu'un fond. Mais c'est un sujet qui a une base scripturaire, c'est-à-dire à travers les Écritures, tu as des exemples qui te baillent. Certes, le cas de Jésus est différent, et les nouvelles soulignent Abdou pour que ça soit différent, mais il y a plusieurs exemples. Premièrement, dans l'Ancien Testament, je nous dis là, il y a le cas du fils de la veuve de Sarepta que nous venons dans 1 Roi chapitre 17, verset 18 à 23, que Élie le prophète qui ressuscité. Deuxièmement, il y a le fils de la femme Tsunamite dans 2 Rois chapitre 4 verset 32 à 35 que Élisée lui-même il t'a ressuscité. Et troisièmement, qui c'est dernier exemple dans l'Ancien Testament, il y a le corps du soldat qui touchait aux ossements d'Élisée. Nous connaissons ça après la mort d'Élisée et il y avait des troupes moabites qui étaient venues. Et bien, ils ont pris un soldat et ils ont enterré dans le côté Élisée était enterré. Ils ont dit, une fois que le soldat s'est touché avec justement Élisée, et bien, comme ça, les ressuscités sont capables de jouer un texte biblique, c'est 2 Rois chapitre 13, versets 20 et 21. Il y a un pile monsieur qui fait analyse de résurrection, ça, pour montrer que c'est ça qui traduit double portion de l'esprit que Élisée te mandé à, c'est un miracle de plus qui fait après l'an molle. Donc, nous ne pas prendre dans ça, parce que c'est pas ça qui est sujet. Nous. Sujet, nous, c'est parler de la résurrection et montrer quelques évidences, surtout des évidences bibliques. Nous capables de faire une intervention tout pour nous parler de quelques évidences historiques. Dans le Nouveau Testament, il y a le cas, nous capables de dire, du fils de la veuve de Naïn, dans Luc chapitre 7, verset 12 à 15. Et dans le deuxième, nous capables de dire dans le Nouveau Testament, il y a la fille de Jaïrus dans Luc chapitre 8, verset 41, verset 49 à 56, malgré ce n'est pas celle Luc qui parlait de lui-même. Et troisième, nous capables de dire dans le Nouveau Testament, c'est le cas de Lazare, Lazare de Béthanie, à vrai dire. Dans Jean chapitre 11, à partir du verset 32 jusqu'au verset 44, nous capables de voir Jésus lui-même, il était procédé avec résurrection de Lazare. Et exemple, Jean nous dit, hein, dans le Nouveau Testament, c'est celle de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ. Et puis, résurrection, excusez-moi, c'est celle de Jésus-Christ. À travers les 4 évangiles, nous voyons comment ils ont expliqué Jésus est ressuscité. Le livre des Actes des Apôtres parlait de ça. Les épîtres pauliniennes, tout, ils ont parlé de ça. Mais Jean nous dit, là, à la seule différence, Jésus-Christ lui-même, il mourit, il ressuscité et il n'est pas mourit encore. Tout le monde sait que nous avons un exemple, 3 dans l'Ancien Testament et 5 l'autre encore dans le Nouveau Testament que nous sommes cités là pour vous. Et nous avons après ça 2 autres qui étaient faites après la mort de Jésus-Christ ou bien après la résurrection de Jésus-Christ qui ont été faites par Pierre et par Paul. Mais nous disons, la différence qui gagne, c'est que Jésus lui-même, il mourit, il ressuscité et la vivre au siècle des siècles. Il ne connaît pas la mort encore. Si ça nous joint dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 18, côté que lui dit, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, ça, c'est la différence qui vient entre Jésus avec fils de la veuve de Sarepta, avec fils de la femme Tsunamite, avec ce corps du soldat qui touchait aux ossements d'Élisée, avec fils de la veuve de Naïn, avec fille de Jaïrus, et différence qui vient tout avec Doka, qui s'est habita, eh bien, côté que Pierre Tabral ressuscité dans Actes chapitre 9, verset 36 à 41, ça c'est après l'enlèvement de Jésus-Christ, ça n'a l'ascension de Jésus-Christ, eh bien, monsieur Autorité, dans Actes des Apôtres, notre travail, Saint-Esprit a fait avec eux, nous, et Pierre Tabral ressuscité Tabita dans Actes 9, verset 36 à 41. De même, tout, nous, et que, dernier exemple dans le Nouveau Testament, c'est celui de
Eutychus, côté que monsieur Yubay pour apôtre Paul là, t'a pral ressusciter li nan Acte chapitre 20 verset 9, côté que apôtre Paul t'a bail un bel discours et monsieur il te chita dans étage côté il te a lui sauti en l'air, il tombé, il te mouri et apôtre Paul te permet monsieur ça revenir à la vie après la mort. Donc ça yo c'est des exemples pour nous capables mettre en ambiance de ça que nous pral parler concernant la résurrection de Jésus-Christ, quelques évidences clairement que n'abjoigne à la lumière de la parole de Dieu. N'a pas observé un coup de pause et après ça n'a tourné pour nous continuer parler de sujet ça qui ont une importance capitale dans le message de l'évangile. Bon Dieu béni. Nous comptons pour nous retourner ensemble avec vous encore. J'ai noté du lancer un coup de pause. On nous continue avec ce sujet, nous, qui c'est quelques évidences concernant la résurrection de Jésus-Christ. J'ai noté du lancer, pour nous parler de résurrection, il faut qu'il y ait la mort avant. Et c'est peut-être ça, nous t'ai parlé de la mort de Jésus-Christ avant nous t'ai venu dans la résurrection. Hein. Donc, ça montre nous tout. Il y a un bagage qui est normal, c'est que Jésus t'a gagné en vie sur terre. Parce que pour lui t'a ressuscité, il faut qu'il t'a mouru. Pour lui t'a mouru, il faut qu'il t'a vive. Car c'est ça, monsieur, la trilogie. La trilogie qui c'est faite, c'est-à-dire ou gain en vie, pendant que ou faite, ou à vivre, eh bien, ou à connaître la mort. Donc, tout être humain, eh bien, il est sujet pour connaître la mort. Même Jean, nous, qu'on a parlé de thème ça, tout homme est mortel, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Donc, là, nous parlons de la mort qui c'était. Jean nous connaît là une conséquence même de péché nous et ben Jésus-Christ qui c'est seul petit bon Dieu t'a fait promesse là dans Genèse chapitre 3 verset 15 puisque c'est femme là qui t'est tentée et ben à travers femme là gagne un fils qui vient et qui vient porter pour nous la vie. La résurrection, c'est la vie que Jésus portait, le pas quitter création, il va livrer lui à Satan le diable, mais ils font promesse de vie. Et nous dit dans Genèse 3 verset 15, il pas dans l'ordre résurrection qui déjà prononcé dans prophétie ça, il pas dans l'ordre puisque il dit dans Genèse 3 verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, c'est ça la résurrection, ou la résurrection venait avant la mort. Tu lui blesseras le talon, c'est ça la mort. Donc, c'est l'évangile avant l'évangile. Donc, Jésus-Christ lui-même, lui venu, eh bien, il portait victoire sur la mort. Et c'est ça la parole de Dieu. Expliquez-nous. À travers les évangiles, évangélistes, ils ont parlé de Jésus-Christ, ils ont parlé de la vie, ils ont parlé de naissance, ils ont parlé de croissance, ils ont parlé de ministère, ils ont parlé de la mort, et ils ont parlé de résurrection. Et c'est pour raison ça, on pourrait, chaque monsieur, ça, ils ont présenté Jésus-Christ dans une sphère différente, ou encore, ils ont présenté Jésus-Christ dans une lunette différente. On pourrait côté que et Matthieu lui-même lui présentait Jésus-Christ comme le Messie loin de Dieu et ou encore le roi ça que t'es gain pour venir hein. Et ben nous voit que Marc lui-même lui va présenter Jésus comme étant serviteur, nous voit que Luc lui-même lui va présenter Jésus-Christ comme le fils de l'homme parfait et nous voit enfin Jean va présenter Jésus-Christ comme Dieu ou encore fils de Dieu car l'expression fils de Dieu il signifie Dieu. Donc nous besoin qu'on ait que à travers les écritures, parole a enseigné nous que la mort n'est pas une fatalité. Mais
Puisque nous dit la mort par une fatalité pour nous autres chrétiens, gagner un effort pour faire, gagner une confiance pour placer, pour capable bénéficier de la vie que Jésus a qui est venu sur la terre, qui présenté de façon différente par quatre monsieur Sayo, et pour capable joindre la vie qui pas jamais finir. Là nous dit présenté de façon différente par quatre monsieur Sayo, nous toujours prenons exemple ça avoir, si gagner une scène de crime en côté, et ben si l'État ou encore la police vini pour li capable diligenter yon enquête. Si te gen 4 moun nan lieu sa ki t'a observé, peut-être gen moun ki te nan fenêtre la kayou, gen moun ki te tout près, gen moun ki te non distance éloigné s'il fait non rue, eh ben nous capable chaque moun sa yo y a ba yon version différente tout dépend de angle que yo te campé. Et c'est ce qui arrive, les 4 monsieur sa yo pote yon explication ban nou de ministère de Jésus-Christ, de la vie li, de la mort li et de résurrection li. Lorsque gen yon ti infime de différence ou encore yon mèk différence, c'est parce que toutefois yo pa gade à même lunette. Capable yon 15%, on 20% de différence, mais yon 80% de ressemblance dans sa que y a présenté ya pour montrer que parole la c'est vérité que lié. Ça pas veut dire que ti mec différence qui gagne entre Matthieu, Marc, Luc et Jean, ça pas veut dire que gagne erreur dans la Bible. C'est ça nous voulons faut comprendre. Et c'est pour ça il y a pas l'autre des évangiles synoptiques parlant de Matthieu, Marc, Luc, on pourrait gagne des textes qui répéter là-dedans pour expliquer au ministère de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, comment il mourit et comment il ressuscité. Et nous voyons que toutefois, c'est des paroles qui fiables, c'est des paroles que moi-même avec vous-même, nous besoin quoi là-dedans, et c'est ça, nous, qui base message, l'évangile là. À travers l'histoire, yo expliquer nous tout que Jésus a bien existé, Jésus t'est existé. Et à travers des historiens, et même des historiens qui parlent, des historiens chrétiens, eh bien, nous voyons que yo parler de ça et gagne une femme que y aurait les Manon Bril parler nous de ça tout son historienne lui parler nous et lui expliquer nous comment lui-même il était arrivé faire des recherches et comment c'est sûr que gon Jésus qui était existé et qui connaît la mort au cours de premier siècle là. Et il y a d'autres sources tout qui pas des sources m'ta capable dit biblique ou des sources et religieuses, mais c'est surtout des sources profanes. Il y a des sources profanes qui parlaient de Jésus avec ce monsieur du nom de Joseph Flavius dans son ouvrage Les Antiquités Juives. Il parlait de ça à travers les années 90 et 100, il écrit. Et environ 60 et 70 ans après la résurrection de Jésus-Christ, monsieur Sana Ouvaïsa, qui c'est les Antiquités Juives, il parlait de ça, il fait mention de ça, en Jésus qui était mort et qui ressuscité. Et nous voyons tout dans le livre ça, il allait faire mention de Ananias, quelques contemporains ou quelques hommes qui existaient du vivant de Jésus-Christ. Il fait mention tout de Jacques, qui a été décapité, c'est pas Jacques, le frère de Jésus-Christ, qui va écrit, et ça n'a pas le livre Jacques là, puisque Jacques, le frère de Jésus-Christ, il t'a pris quoi dans Jésus-Christ après résurrection, li, c'est pour ça que le prophète n'a pas honoré dans la patrie. Li. Mais on a parlé de Jacques, côté que Jacques, ça qui était décapité, Jean nous dit, soit appelé dans Actes chapitre 12. Jacques, frère de Jean, qui c'était un disciple de Jésus-Christ. Donc, dans le livre Flavius, Joseph, là, il fait mention de Jacques. Donc, ça, c'est pour parler de quelques noms qui, dans la Bible, qui citaient, qui montraient que gagnaient une vérité à travers cette histoire concernant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il y a un autre historien du nom de Tacite, qui est un historien tout qui parlait de l'histoire de l'Église. Eh bien, Tacite, il fait mention de histoire de Jésus-Christ, de résurrection de Jésus-Christ. Entre l'année 110 et 115, il parlait de ça. 110 et 115 m'a parlé après Jésus-Christ. Et là, il a parlé de l'événement ça. Dans l'histoire de l'Église, il surtout parlé de l'incendie de Néron. L'incendie de Néron, côté que Néron, t'abral, mettait et Rome
en du feu et il t'appelle bail chrétien responsable et là elle fait mention de chrétien yo lui parler des disciples de Jésus-Christ et lui dit Jésus-Christ ça qui existait qui mourit et qui ressuscité selon ça la parole fait nous comprendre donc il y a d'autres sources encore d'autres sources archéologiques qui confirment le Nouveau Testament c'est des écrits qui fiables les algardés dans zone que yo a fait mention de eux-mêmes ça qui était existé dans période là à travers des fouilles archéologiques y aurait réellement histoire que y a fait mention de lui concernant la mort et la résurrection de Jésus-Christ et surtout je dis on a parlé de la résurrection de Jésus-Christ y aurait son bagage qui vrai donc ça yo c'est pour nous expliquer comment que nous-mêmes en tant que chrétiens, les nous allons prêcher l'évangile et nous dire le message de l'évangile, c'est présenter la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est proclamer la mort et la résurrection de Jésus-Christ et montrer que monde qui croit dans message ça, auditeur cap tando là, yo capable gain la vie qui pas jamais finir. C'est ça le message de l'évangile. N'a pas observé Une autre pause encore. Après ça, n'a pas tourné pour nous parler ensemble avec vous. Dans le sujet ça que n'a traité aujourd'hui, hein, qui c'est quelques évidences concernant la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous retournons ensemble avec vous pour nous continuer à parler de sujet nous qui c'est quelques évidences concernant la résurrection de Jésus-Christ. Nous voulons faire connaître que, ou même captant de nous, que la résurrection se trouve au cœur de la foi chrétienne. Ça nous t'avait dit par là, c'est que on monde ou pas qu'un chrétien sous pas quoi que Jésus ressuscité des morts. Et c'est ça qu'il dit dans Romains 10, verset 9, c'est un texte qui est très connu. Il dit comme ça, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ouais, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, nous voyons que la résurrection de Jésus-Christ, non seulement que nous disons, trouver au cœur de la foi chrétienne, c'est ça qui base de confiance nous, et c'est lui qui porte salut pour nous-mêmes. Mais nous voyons que l'apôtre Paul, au cours de ministère,
li fait ça nous ta relé yon apologie dans enseignement apostolique li côté que li a parlé de résurrection surtout dans 1 Corinthiens chapitre 15 dans 1 Corinthiens chapitre 15 l'a parlé de ça pour faire nous comprendre qui ça résurrection à tel point l'a privé nos moments pour faire monde comprendre si résurrection Jésus-Christ c'est pas en vérité que lié et ben ou bien si pas ta gen résurrection des morts il dit Christ lui-même il pas ressuscité vrai et il va arriver dans un moment pour dire prédication nous li vaine c'est ça nous capable pour vous dans 1 Corinthiens 15 verset 13 et 14 il dit s'il n'y a point de résurrection des morts Christ non plus n'est pas ressuscité et si Christ n'est pas ressuscité notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Ça c'est apôtre Paul qui a parlé dans ce sens ça concernant grande défense que la fait quand nous dit apologie c'est une défense de foi et bien dans grande défense ça qu'il a fait l'a expliqué comment Jésus-Christ lui-même l'est mort l'est ressuscité. Et c'est ça qui vient ban nous et travail apôtre yo et au cours de premier siècle là malgré toutes difficultés que ont rencontré malgré en pile là-dedans au tap mouri nous gagnons des martyrs qui existaient côté que nous ouais Étienne c'est une martyr yo n'a parlé de diacre Étienne nous joignent et exemple nous autres tout à l'heure Jacques tout c'est une martyr yo nous joignent en pilote nous gagnons exemple de Pierre lui-même qui était crucifié tête en bas côté que lui-même il te dit il pas digne pour le crucifier même j'ai avec Christ là nous joignent exemple de Marc qui était une tout qui c'était martyr gagne pilote encore yo lapidé yo scié yo mais c'est pour capable fait connait que confiance que tu gagne dans bon Dieu a pas gagne rien qu'à retirer lui pas gagne rien qu'à permettre confiance ça lui sortir dans bon Dieu monsieur t'a marché avec une foi à toute épreuve quel que soit ça que t'es venu devant yo a yo t'es prêt pour t'es vaincre lui un Pierre qui c'était un Pierre autrefois devant la mort Jésus-Christ qui t'es couru mais quand nous jeune l'autre Pierre qui a parlé dans livre 1 Pierre et 2 Pierre côté que l'a parlé de souffrance l'a montré comment vie chrétienne dans lui-même li pas qu'à échapper de ça yo donc un monde qui laisse le conduit par l'esprit de Dieu un monde qui croit dans bon Dieu et ben il besoin qu'on ait que la mort lui-même c'est pas un bagage qui vient pour retirer tout espoir net mais la mort c'est un passage côté que pour m'aller joindre mettre moi et nous dire c'est ça qui te permet monsieur yo te connaît que une fois que yo mouri Jésus-Christ ba yo exemple li mouri li ressuscité li présenté à yo même et ben yo dit waouh ça c'est une preuve certaine que moi même tout si m'gè pou m'passe par chemin sa, m'ap genyen la vie ki pap jam finir. Et c'est pour raison ça, nan même évidence que nous abo la, nous pral bo quelques apparitions de Jésus-Christ avec disciples yo et des hommes kote ke li présenté à eux-mêmes après résurrection. Après la résurrection de Jésus-Christ, eh ben, li présenté li à Marie de Madeleine. Ou bien à Marie Madeleine côté que nous capable lire dans Jean chapitre 20 verset 16 et 17 nous pral voir tout Jésus-Christ pral présenter lui dans texte nous li pour là avec ses deux Marie ou encore ces deux femmes côté que t'a sorti dans tombeau les nous li pour dans Matthieu chapitre 28 surtout dans verset 8 là pour arriver dans verset 10 là il te présenter lui comme ça sur le chemin d'Emmaüs Jésus-Christ encore t'a pral faire apparition lui avec monsieur Sao qui t'a marché ces deux disciples et ben monsieur yo pendant était dans village ça qui relait Emmaüs là dans Luc chapitre 24 excusez verset 13 à 15 eh ben il était présenté là avec monsieur yo à tel point monsieur t'a pas arrivé dans un moment yo t'a pas dit le Seigneur est réellement ressuscité il est apparu à Simon sous appli dans Luc 24 verset 34 là ça c'est présentation de Jésus à Pierre et on t'a pas le tout Jésus-Christ t'a pas fait d'autres apparitions tout et apparition li il te fait en absence de Thomas si ou appli dans Luc 24 verset 36 côté que il dit comme ça Jésus-Christ entré il dit monsieur yo la paix soit avec vous laisse Thomas pas là mais on va le tout Jésus-Christ puisque Thomas c'était une qui était vle
ça pour le croire à fort li ou li malgré la Bible dit nous quelque part heureux monde qui croit sans yo pa wè et ben 8 jours plus tard Jésus-Christ tabral rentré côté monsieur te retrouvé yo malgré toute porte te verrouillé ou fermé et Jésus-Christ tabral rentré pour dire monsieur la paix soit avec vous et l'elle paraît libéral dit parole ça à Simon à Thomas excusez-moi puisque Thomas c'était une qui était incrédule il dit avance ton droit ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, côté qui t'est percé. Il dit cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus lui dit parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parole ça nous jeune dans Jean chapitre 20 verset 26 à 29. Donc il y a plusieurs apparitions encore que Jésus va faire apparition à sept disciples. Là nous lit dans Jean chapitre 21 verset 1 et 2 côté que il paraît devant monsieur Saïo qui était ensemble Simon Pierre Thomas appelé Didine, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Nous capables de dire ça dans Jean 21, verset 1 et 2. Jésus-Christ tout bral paraît à plus de 500 disciples. Apôtre Paul retracer ça pour nous dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 6. Donc ça yo, c'est un pile exemple Jésus-Christ bral paraît à Saint-Jacques à, ou encore à Jacques et aux apôtres. Non. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 7 et Jésus fait apparition ça yo juste avant d'être capable reler ascension li avant li te monter dans ciel. Ça yo c'est des preuves certaines concernant la résurrection de Jésus-Christ que la Bible lui-même lui fait nous connaître. Et nous gagnons pour nous parler de plus avec ou de ça qui concernant résurrection de Jésus-Christ côté que nous allons terminer avec lui nous dit nous allons parler de plus non mais c'est surtout dans ça qui concernait foi chrétienne assurance que nous gagnons de la résurrection de Jésus-Christ et côté que grand pile parole qui capable venir grand pile bagage qui capable dit qui pour venir faire n'ta capable dit lutte avec confiance ça mais ou même cap li la parole de Dieu ou même qui verset dans les écritures et ben on besoin croire li et ou besoin connaître que c'est un bagage qui certaine Jésus-Christ li té mouri li ressuscité et c'est ça qui permet moi-même mon espérance yon le moi va gagner pour me ressusciter. C'est la dernière partie ça nous va terminer et pendant n'a terminer avec dernière partie ça n'a fonti parler avec deux courants ça qui c'est yon courant épicurien les épicures n'a parlé de dans qui moment yo te existé et qui j'ai yo même yo te ouais la vie a comment yo te comprendre la vie a et je dis encore des monde qui gagne même opinion ça qui gagne même penser ça comme des épicuriens yo connaît que après la mort tout est fini nous va fonti parler ensemble avec yo et nous va terminer avec assurance que nous même nous gagnons de la résurrection des morts bon Dieu bénis nous n'a pas observé une dernière pause à la gloire de Dieu. Thank you.
Bon Dieu béni, nous retournons pour nous capables de terminer ensemble avec vous dans la dernière ligne, nous, côté que nous allons ensemble avec vous. Jean nous dit là, au cours du 4e siècle avant Jésus-Christ, il y a ce philosophe grec du nom d'Épicure et qui te voulait faire comprendre que et il y a un enseignement que le tabac qui était opposé avec l'enseignement biblique pour le faire connaître que la mort est la fin pure et simple de la vie. C'est-à-dire, après la mort, toute bagaille finit. C'est peut-être ça, monsieur, ça te dit. Manger, boire, prendre plaisir, nous, après ça, pour nous mourir. Ça, c'est ça. Le monde, en pile fois, rentre dans la même route, ça. Une route sans issue. Une route qui a mené directement, nous sommes capables de dire, dans feu éternel ou encore dans condamnation éternelle. Après la mort, Jean-Michel Sadavlé fait comprendre l'idée pour apaiser conscience monde, tout bagaille fini. M'a dit au frère, seul, ou même captain de moi. Ou même captain de moi prochain, moi. Après la mort, tout n'est pas fini. Après la mort, il y a une vie. Il y a l'au-delà qui existe après la mort. Et c'est pour raison ça, on besoin de faire une préparation étant vivant. Étant vivant, on besoin de faire une préparation. Non seulement il y a la résurrection de ceux qui croient en Christ ou encore la résurrection des justes, mais aussi il y a la résurrection des injustes. Résurrection de monde qui pas accepté Jésus. Le livre Apocalypse lui explique nous ça. Et surtout, dans Apocalypse chapitre 20, l'a expliqué nous ça qui a parlé de jugement, le jugement devant le grand trône blanc. Eh bien, nous besoin connaître ça. La mort n'est pas un résultat définitif. Donc, résurrection des morts, li gagne pour li fête quand même. Li gagne pour le fête quand même. Et au temps de la fin, la fête. Donc, au même captain de vous, quel que soit croyance ou m'a dit ou gagne un jour pour qu'on ait la mort, et si vous connaissez la mort, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ, eh bien, vous êtes capable de connaître la condamnation éternelle. La condamnation éternelle, côté que ou même ou va gagner pour aller souffrir, et côté que ou a souffri ou pas bien mourir. Et ça qui fait plaisir, c'est que bon Dieu lui-même, il par contre, bah, il mentit dans la parole. Li. Il y a des gens qui t'a dit, comment on peut expliquer un bagage comme ça? Il y a des gens qui ont brûlé dans 10 feux, ils n'ont jamais fini. Et c'est ça, Marc chapitre 9, verset 49 dit nous. Dans Marc 9, verset 49, il dit, quand tout homme sera salé de feu. Salé de feu, c'est pour montrer que dans l'idée que la souffrance soit recevoir, mais quoi, pas jamais détruit. Quoi, pas jamais détruit. Bon Dieu, mettez quoi dans la position pour le souffrir et pour le pas jamais détruit. C'est ça, salé de feu. Donc, nous besoin qu'on ait, quel que soit mon ouïa, si vous pas fait choix de Jésus-Christ pendant vivant, eh bien, ou ap connaît yon fin terrible, ou ap connaît santarele yon tourment éternel. J'aime te dire là, assurance nous en tant que chrétien, et c'est assurance ça n'a bail avec tout le monde qui est chrétien et monde qui pour chrétien, c'est assurance ça nous voulons recevoir. Assurance nous, c'est parole ça que nous joignons, n'a terminé avec vous. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Ça c'est assurance nous concernant la résurrection des morts. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18, apôtre Paul a parlé comme ça pour dire nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ouais, la Bible pas parlé de l'an mort pour chrétiens. Elle parle de monde qui a dormi. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Alléluia. Chrétien a espérance, mais monde qui pas contre mon Dieu pas d'espérance. Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Je reprends pour vous ce verset. Il dit, quand si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et c'est quoi ça nous t'est parlé dans Romains 10, verset 9? C'est la base, salut, hein, l'ichita.
Dans verset qui suivant, il va aller dire parole ça yo. Dans verset 16 là, mais ça il dit. Dans verset 15, excusez, il dit voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Yes, alléluia. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est ça, oui, verset 14 là, oui, qui rejoint avec verset 17 là. Côté que l'a dit, Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ou après, Jésus-Christ vient rencontrer nous sur la nuée, il ne va pas descendre sous la terre. Ça, c'est la première venue de Jésus-Christ. L'a venu pour son église. L'a venu chercher lui. Eh bien, une fois que Jésus vient pour l'église, non, il ne peut pas descendre sur la terre. Nous allons rencontrer lui pour nous aller dans les noces de l'agneau. Ça, c'est ça qui fait que je suis content. Parce que je connais, je suis en vie dans l'au-delà. Et vie ça, c'est après une vie bienheureuse. Noces de l'agneau qui a fait son durée de 7 ans, eh bien, le Seigneur lui-même, il va aller consoler nous. Ou même qui te connaît des moments difficiles, ou même qui te infime, l'apôtre Paul décrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, pas de infirmité encore. Le corps corruptible, il dit la revêti, l'incorruptibilité, il dit le corps mortel, la revêti, l'immortalité. Ça, c'est croyance pas. Et ça, c'est croyance toute chrétien. Et vous-même qui pourquoi accepter Jésus, le Seigneur a parlé avant, lui invite pour capable recevoir lui. Et là, l'apôtre Paul Bral dit, dans verset 18, là, pour le terminer, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et tout ça, le Saint chapitre 4, verset 13 à 18. Nous besoin d'assurance en tant que chrétien. Après la mort, tout n'est pas fini. Après la mort, il y a une vie. Et cette vie, il gagne deux destinations. Une destination pour les justes, une destination pour les injustes. Qui choix que vous avez fait? Vous avez choisi pour aller dans la destination côté que vous connaissez tout le monde? Ou bien vous avez choisi pour aller dans la destination côté que vous connaissez la félicité éternelle là? Jésus-Christ a pris l'eau, Jésus-Christ a fait appel avec vous. Jésus-Christ voulait sauver vous. Est-ce que vous-même, qu'attendez, qui pourra accepter Jésus? Ou voulez bali la vie. Il dit, je dis, ah, si vous tendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Pas fait comme si vous n'attendez. Pas fait cœur dur pour ne pas répondre à l'appel. Répondre à l'appel. M'abdou ça, ou pas bien excuse devant mon Dieu. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous croyons dans la résurrection, nous ne croyons pas dans la réincarnation. Car la Bible est claire, dans Hébreux 9, verset 27, il dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Par contre, l'autre forme que Brial paraît pour vivre, selon quelques confiances, mais nous dit, ou même qui mourit, si vous mourrez dans Christ, vous connaissez la vie éternelle. Et si vous pas mourrez dans Christ, vous connaissez la mort éternelle qui est la seconde mort côté que vous avez pour souffrir sans fin. Nous sommes contents pour nous te parler avec aujourd'hui dans l'idée ça. Côté que nous t'avons présenté au sujet ça qui c'est quelques évidences concernant la résurrection de Jésus-Christ. Nous t'ai expliqué pour nous parler de résurrection, il faudrait bien que tu aies la mort. Et pour nous parler de la mort, il faut que tu aies une vie. Jésus-Christ lui-même, il te prend forme humaine, il vient sous la terre selon Jean 1er verset 14, ça relie l'incarnation et ben il vient pour être capable mourir pour nous gagner la vie qui pas jamais finir. Nous te faut comprendre que promesse ça a été faite depuis non, Genèse chapitre 3 verset 15 et nous te bon quelques exemples de résurrection dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. À la seule différence, Jésus-Christ lui-même, il sortit du lot, il mourir, les ressusciter une fois pour toutes. Jean lui dit nous, dans parole là, côté qu'il y a parlé pour le dire, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles, selon Apocalypse, chapitre 1er, verset 18.
Non seulement nous t'ai parlé de ça, nous t'expliquons comment les évangiles ont parlé de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, malgré chaque monsieur présenter Jésus différemment. Et nous, les épîtres pauliniennes parlaient de ça. Il y a un pile d'autres épîtres qui parlaient. Et Apocalypse, tout le monde parlait de ça. Et nous, des historiens et d'autres sources profanes ont parlé de Jésus-Christ. Et nous t'ai parlé des noms comme Joseph Flavius, nous t'ai parlé de Tacito. Et nous t'ai parlé. Montre que comment et monsieur Sayo yo te fait mention de chrétien et quelques noms qui dans la Bible. Les recherches aussi archéologiques yo confirmé les écrits du Nouveau Testament et nous c'est ça puisque monsieur chrétien yo les premiers chrétiens ça qui était existé durant le premier siècle yo te croit dans la résurrection de Jésus-Christ et c'est ça qui permet que tu braver et la mort malgré tout ça que t'as venu en face yo pas de peur avancer et yo te recevoir la mort avec cœur content à tel point que Pierre a parlé pour dire les femmes prends courage Nous comptons pour nous parler de ça avec et nous terminer avec point ça. Côté que nous avons le baou, quelques apparitions de Jésus-Christ et assurances que nous-mêmes chrétiens nous gagnons concernant la résurrection. On va disposer pendant ce temps à faire prière finale pour vous. Et nous croyons que le Seigneur lui-même, si toutefois il y a nous pas de Dieu, il est capable d'ouvrir l'intelligence ou à travers le texte que nous baou, ou capable de garder, ou capable de faire l'étude de vous-même et qu'on est toutefois que vous-même, c'est pour qu'on fasse choix. Au besoin font choix. Je dis à, sous temps de voile, parfait têtu. Parfait têtu, répondre à l'appel et on va gagner la vie qui ne peut jamais finir. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous bénissons, nous exaltons. Nous disons merci pour grâce, merci pour faveur, merci pour bonté ou miséricorde. Merci Seigneur parce que tu permets de nous parler dans nom. Merci pour la façon que tu canalises nous aujourd'hui. Pour nous enseigner parole ou concernant la résurrection de Jésus-Christ. Seigneur, permet à ce que chaque chrétien captende là, il reconnaît que résurrection c'est pas une fable. Résurrection c'est un fait qui capital dans la vie et chrétienne non et nous besoin connait que c'est la base de foi nous les trouver. Et si toutefois Seigneur alléluia, il y a monde qui t'ai douté de ça, enlever tout doute. Faire connaître, même si tu as mouru, il y a quelqu'un pour passer de la mort à la vie. Et c'est ça Jésus t'a parlé dans Jean chapitre 6 pour dire monde qui fait une avec moi, mon fait une avec yo tout. Yo gien pour lever sorti vivant dans la mort, dans dernier jour. C'est ça l'expliquer. Texte ça clair. Dans Jean 6 verset 53 à 58 l'a parlé pour l'expliquer comment c'est un fait. Qui pas de menti là-dedans. Aidez-nous pour nous croire parole ça yo. Aidez-nous pour nous reconnaître gen la vie dans Jésus-Christ. Et cette vie est disponible à tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui a recevoir li. Ou même qui attendez qui pour qu'on fait ça. Mon levo bay bon Dieu, c'est pour bon Dieu toucher cœur. Et si toutefois, Seigneur alléluia, gen moun qui attendez là, qui pourquoi accepte ou peut-être qui pas bon monde qui pour conduire yo. N'a pas invité ou pour faire prière ça. Seigneur Jésus moi reconnaître mon c'est pécheur moi reconnaître que moi fait et des bagages qui pas fort plaisir mais je dis à mon venir devant moi reconnaître mon t'a marché loin de volonté moi mando grâce moi mando pardon moi reconnaître tout est mouri pour moi et moi dis viens prendre place dans cœur moi viens habiter dans la vie moi écris nom dans livre de vie et moi va gagner la vie qui pas jamais finir si vous faites prier ça avec une sincérité de cœur ou regrette, j'en tape vivre là. Ou mande bon Dieu pardon, et ou mande pour vivre dans le cœur ou mande pour l'inscrire dans un livre de vie, en quoi, ou gen la vie qui pas jamais finir. Béni au Seigneur, conduis au plus près, ou kembe ou nan grâce, ou kembe chaque chrétien, kembe chaque chrétienne, kembe chaque monde Seigneur, quel que soit ça, qu'on est comme difficulté, dans le moment ça même, nous la prions pour yon Seigneur, intervenir pour yon même de Jésus. Côté que le monde a connu un moment difficile, surtout Seigneur, monde qui vit dans le pays sa yo, pays États-Unis, côté nous retrouver nous, surtout dans la ville et Brooklyn, côté que nous y dans state New York là, d'un pile Seigneur difficulté, surtout avec maladie corona ça. Mais nous croyons que Seigneur, gardez chrétien yo, ou gardez chrétienne yo, ou préservez yo de malheur. Et si toutefois Seigneur gen yon lade ou qui t'arrive mouri par maladie ça, c'est parce qu'on bay permission Seigneur, parce que rien pas privé nous, sans pas bay permission. Bénis Seigneur semaine ça pour nous. Bénis toute activité nous.
bénis tout ça n'a pas entreprendre, bénis tout ça n'a fait Seigneur. Restez bon côté nous, restez dans nous-mêmes Seigneur, alléluia. Restez avec nous. Bénis Seigneur le groupe disciple, bénis toute activité groupe disciple gain Seigneur à travers les réseaux Seigneur, alléluia. Oh, toute activité que elle gain Seigneur, alléluia, activité de prière, programme que il gain Seigneur, bénis yo, bénis responsable groupe disciple, bénis frère nous yo, bénis sœur nous yo, et sans oublier Seigneur, alléluia, consoler ça qui est endeuillé yo. La sœur oh Adou Seigneur alléluia côté que Marie li passé Seigneur de la vie à trépas mais Adou Seigneur aller consoler cœur li même Seigneur qui non moment qui difficile béni nous Seigneur restez avec nous béni semaine ça pour nous béni toute activité nous ça qui va aller travailler béni au Seigneur conduis au dirigez yo prends défense Seigneur gardez au soyez gardez dans boss gardez dans train nous comptons sur de Jésus fait plus que ça nous mande permettre nous rester près la croix nous pas prions qualité mon qui bon ni mon qui digne mais nous prions dans notre petit tout Jésus-Christ les mêmes seuls qui mérite qu'a vivre qu'a régner au siècle des siècles. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons toute forme de forteresse dans le nom de Jésus. Nous disons, c'est pour béni, c'est pour le Seigneur lui-même capable toujours faire course dans la vie, c'est pour le Seigneur lui-même capable toujours diriger. Restez avec la paix de Dieu, c'était serviteur, pasteur Jean-Alphonse Duclair, dans l'émission La parole qui sauve, qui t'a parlé où, de quelques évidences concernant la résurrection de Jésus-Christ. Bonne semaine avec Jésus, ou même capteur de nous pendant journée, bonne journée, ou même capteur de nous pendant soirée, bonne soirée avec Jésus. Bon Dieu béni.